Allez, un point. Le public se lève. Et Hamilton se bat en défense pour empêcher Iverson d'avoir le ballon. Personne ne bouge. Iverson doit chercher très haut. Une vingtaine. Il n'y a plus que 8 secondes pour attaquer. Attention, oui. Là, il va faire filer son adversaire. Il le met. Il le met. C'est son deuxième panier de plein jeu dans cette deuxième mi-temps. Donc, troisième et quatrième quart-temps confondus. À 1:15 de la fin, c'est pas encore assez, mais c'est pas mal quand même. Et là, c'est magnifique. Et 2 plus 1. Ouh là là. Quelle merveilleuse passe. Curie qui parle avec son coach. Regardez, dans le dribble, passe laser. '79-'78, mais possibilité d'égaliser. Il en est à 8 sur 10. C'est fait. Et à la plus. 1-0-7. Tout est possible, y compris les prolongations. Et on va changer. Prince sur Iverson. Iverson, c'est lui qui a le ballon. C'est normalement lui qui doit faire la décision. Il passe. Il se met au. C'est marqué. Magnifique. Passe à Thomas. Il ne faut pas traîner quand même. Il a 20 secondes, mais il peut encore avoir une option en plus. Oui. Il va chercher qui? Snow. Mais Snow n'est pas en grande forme. Il ressort. McKee, il n'y a personne qui le prend. Il a tout fermé. Il faut prendre le tir. Il reste 8 secondes. Il le faut. C'est Snow qui le prend. Et il le met. Oh, il le met. Il le met. Merveilleux. Et ils auront encore une petite possibilité. Alors qu'il y a temps mort. 2 points d'avance pour Philadelphie. Je voudrais simplement ajouter ceci. Si jamais il y a prolongation, vous savez que l'équipe de Detroit a déjà été 9 fois aux prolongations et a toujours gagné. A toujours gagné en prolongation. Toujours gagné, aussi bien en saison régulière qu'en play-off. Et déjà 2 reprises contre cette équipe-ci. Eh bien oui, c'est beau, parce qu'après avoir raté ces trucs-là, et avoir dû prendre la décision. Ah, il a une petite liberté. Hein. Billups a fait un pas vers l'arrière. Attention. Ils vont là jouer sur les 24 secondes d'abord. Pas nécessairement. Hein. Si, de toute façon. Oui, d'accord. Donc on est patient. Pas le droit à l'erreur pour Detroit, si ce n'est qu'ils ont le game set derrière eux. Il y a une faute. Il y a une faute de Snow. C'est ce qui est sifflé. C'est ce qui est sifflé. Il y a une faute de Snow. Non, dit-il. Il restera 15 secondes en fonction de ce qui va se passer ici. Y avait-il faute? On va le regarder. Si, maintenant il y a faute. Vous avez vu? La jambe gauche qui va vers et qui ferme la possibilité à Billups d'aller à l'anneau. Et Billups, dans un exercice qu'il apprécie, les lancers francs, sous pression, 15 secondes. On ramène un défenseur, Michael Curry. Pour qui? Pour Iverson? Peut-être bien. Est-ce qu'on va relancer Van Horn? Qui va-t-on relancer pour essayer de marquer? Regardez, 10 sur 10 en playoff, 88%. Et cet homme n'a pas l'air de se rendre compte que ce point-ci est hyper important. Et quand même. Oh, ah, oui. Temps mort? Pas de temps mort. Pas de temps mort, non. Iverson. Iverson. Il y a le total de fautes. S'il y a faute, il y a des lancers francs, évidemment. Faut-il... Oh là là, il faut le jouer. Il faut le jouer. C'est parti. C'est parti. Il est fermé. On va trop tard. C'est fini. On l'a mal joué. Ah oui, on a trop tardé. On a mal négocié ça. Iverson. Que la maman Iverson. Et donc, prolongation. Prolongation. Donc, Détroit n'a jamais perdu en prolongation. Iverson. Cette fois-ci, il s'écarte, mais il loupe son shot. Il n'ose plus aller à l'intérieur, Iverson. Defense, defense.
Williamson. Ballon. Perd la balle. Et on siffle faute. Oh. Ça, c'est sévère. Ça. Oh là là. Ouais. On la joue. Avec la chance de Billups. Ça fait mal, là. Ça fait mal. Snow est sur le banc. Billups s'inscrit. C'est 3 points. Billups, dont le retour aura quand même été impressionnant. Iverson pour chasser. Iverson qui rentre dans l'arène, qui est contré par qui? Devinez. Par Wallace. Et 2 points pour Kenny Thomas. Mais quand même, quand il pénètre dans cette raquette, il déséquilibre en partie cette défense. Hop. Non. Hop, Billups. Billups encore. C'est manqué. Manqué le rebond. Oh là, ah oui, ça. Personne n'y a été. Il était long, il est vrai. Un point d'avance, Detroit. Ballon, Detroit. Williamson, en 1 contre 1. Williamson. Bonne défense. Le rebond. Oh là, oui. On le perd encore. Toujours ce diable de Wallace qui est dans votre dos. Troisième tentative. Encore Williamson. La création. Il est passé. Il ne peut pas. Bien il sorti. Ressort pour Hamilton. Il ne peut pas. Hamilton va chercher une option de passe. C'est Billups à 3 points. Bingo. Oh là. 4 points d'avance. 4 points d'avance. Et le regard vers les finales de conférence tourné par les Detroit Pistons. Iverson, il faut le mettre. Il le manque. Récupération Billups. Oui. Le doute d'un côté, la confiance de l'autre, la passe de contre-attaque et 2 points de plus. 6 points d'avance. Bien vu. Oui, beaucoup d'effets dans la passe de façon à ce que ce ballon redescende. Pour Prince. Il n'y a plus de solution, il faut marquer. Oui. Ils sont obligés de marquer ici. Et le seul qui peut le faire, c'est lui, quasiment. Oui, mais Prince est grand. Hein. Avec une faute à l'intérieur. Oui. Sans doute pas encore de lancer franc. Sixième, il a fini lui. Mais c'est Okur qui monte maintenant. Et il fait. Il est bien intégré, hein, Okur. Oui. Totalement. Van Horn, Van Horn. Faux. On va chercher la faute d'Okur sans doute. Tout ça, c'est du temps qui court. Et il y a 6 points de plus pour cette équipe de Rick Carlisle. On rappelle, elle n'a gagné que une fois sur les 9 pour rester avec son coach en déplacement. C'était à Orlando. Le 6e match. Hein. Voilà, celui qu'il fallait gagner pour sauter un tour. Oui. On a l'impression qu'il pourrait refaire maintenant la même chose ici. Iverson, oh, ça passe, ça passe, ça passe. Il y a donc 4 points d'écart, 2 minutes 12. Deux attaques encore. Il faut aller les chercher. Hein. Seulement à jouer, ils ont tout le temps. Le shot d'Hamilton, il est manqué, le beau rebond de Van Horn. Il faut marquer du côté de Philadelphie. Alors là, on remettrait la pression de l'autre côté. Il n'y a pas de solution et personne ne bouge quand il crée. Coleman avec Okur qui se plonge, ah qui oui, se jette plonge, et, qui oui. le, et qui le loupe de peu. Est placé, vous voyez ce qui reste au niveau des temps morts, ça veut dire moins aussi du côté de Philadelphia Sixers. Iverson à 3 points, il ne le prend pas, il rentre dedans, attention Wallace, il le met quand même. Il n'y a plus que 2 points, il n'y a plus que 2 points. Defense, il faut aller le chercher. Oui. Billups face à McKee. Il est passé. Le rebond. Il est perdu. Iverson peut égaliser. Il peut égaliser. Ouais. Égalisation. Merveilleux retour d'une équipe qu'on croyait enterrée à moins 6. Exploit. 3 layups hein, d'Iverson.
exploit en tout cas pour Philadelphie d'être revenu. 1-12, le match repart. Et on n'a peut-être pas assez avec une prolongation ici. Ah, on montre Tishon Prince, mais ils sont tous dangereux. Il y a Billups qui nous a montré déjà par 2-3 points qu'il ne fallait pas le lâcher. 2-3 points et un assist. C'est encore lui qui crée. Hop. Prince, Billups, Billups encore, Billups toujours. Il est passé. Il le manque. Oh, le rebond pour un court. Le shot de court, il est manqué encore pour eux. Ouais. Il avait perdu, il peut repartir. Il peut prendre l'avantage. Non. On est dans les 50 dernières secondes. Mackie, Iverson. Iverson un jump shot. C'est pas bon, c'est une brique, c'est une brique, Pam. 35 secondes. 35 secondes. Celui qui va marquer le premier sera quand même le bien avantagé. Je vous rappelle que ce game 7 entre ces deux équipes dimanche, si il y a game 7, game 1, ça ce n'est plus que pour Detroit face à New Jersey, s'il y a un game 1. Je vous dis tout ça parce qu'on va sans doute se quitter très vite. Alors ça me permet aussi de vous annoncer que nous, nous allons vous proposer le Game 7 entre Dallas et Sacramento dans la nuit de samedi à dimanche, 3h40. Je vous rappelle, ce Game 7 dans la nuit de samedi à dimanche à 3h40. Soyez présents, mettez vos magnétos ou alors on vous le rediffusera en français. Ce sera lundi après-midi cela. Allez, on revient. 29 secondes parce que... Où va-t-on s'arrêter ici ? Oula, la ligne de fond est libre. Non, on attend l'écran, mais il va peut-être apprendre. 2 contre 2. Billups, Billups. On a l'impression qu'il veut le faire tout seul. Là, 3 points de Billups. Il le met. Troisième 3 points. Est-ce que c'est de trop? Est-ce que c'est le panier en trop pour cette équipe de Philadelphie? Ah ben oui, parce que maintenant, il faut marquer quasiment à 3 points. Pour après une prolongation supplémentaire. Oh, Billups. Oui. Il nous a fait le même coup à Orlando. Hein. 15 secondes, un 3 points quasi indispensable pour cette équipe de Philadelphie. Iverson va le prendre, mais il a Tishon Prince devant lui, il va jusqu'au bout, il ne marque pas. Il ne marque pas et c'est donc fini en effet. Et bien voilà toute la déception. Il a compris évidemment. Oui. Il a compris Allen Iverson. Et Mama Iverson aussi. Ce sont les Detroit Pistons qui vont passer 12 ans après l'époque des Joe Dumars. Voilà. Oui, là il s'est déséquilibré un petit peu parce qu'il a voulu prendre appui sur Wallace de façon à ne pas être contré. 12 ans après l'époque des Isaiah Thomas, des Joe Dumars, des Dennis Rodman, des John Sally. On va reciter un petit peu toute cette époque extrêmement glorieuse. Voilà, eh bien, voilà, c'est sorti. Pour qu'on ne commette pas. Mais il ne devait pas avoir. Non, pas c'est pour ne pas qu'il y ait de lancer franc sur lui. Hein. Voilà. On le sort, tout à fait. Il faut une interception. Ils vont se retrouver donc en finale de conférence ici. Je pense que. On n'aura plus de suspense, oh, on trouve même une solution et là on va patienter avec des lancers francs. À tout le monde est atterré du côté de Philadelphie. Où l'on a passé une soirée certainement intéressante et amusante, même si elle était stressante. Le seul problème c'est qu'elle se termine dans la déception parce que Iverson n'a pas eu assez de soutien, n'a peut-être plus tout à fait l'énergie en deuxième période, comment on peut traduire tout cela ? Effectivement que le premier quart-temps fut merveilleux, mais il a laissé beaucoup de plumes et beaucoup d'influence, d'influx nerveux. Et c'est là qu'on l'a vu en difficulté en deuxième mi-temps, avec de bons défenseurs sur lui. Et Atkins, par exemple, a une très bonne taille. On a vu qu'on a switché aussi, c'est au cours qui se trouvait. Donc tous des grands joueurs qui lui interdisaient de prendre des tirs de loin faciles. Et quand il pénètre, eh bien, il y a toujours, naturellement, voilà ce qui était présent. Voilà, il y a plus qu'une attaque d'écart entre les deux équipes. Ce qui veut dire que même un panier ici à 3 points ne serait insuffisant. Buckner le tente, il le manque. Et on est à la fin de ce duel. Victoire
importantissime pour les Detroit Pistons. 4 succès à 2. Ils éliminent les 76ers et ils rencontreront en finale les New Jersey Nets avec l'avantage du terrain, ce qui n'est pas peu. Quant à nous, nous vous proposerons cette nuit à 3h40 du matin le 7e duel entre Dallas et Sacramento. Allez, bon vent, vous allez à Cardiff.